Allons voir derrière. Je crois que Monsieur Ross m'attend. Des armes ? Non, merci. J'ai les miennes. On vous attend sur scène, monsieur. Par ici. Notre invité d'honneur est arrivé. Viens, assieds-toi. Cela fait un moment que je t'observe. J'ai trouvé tes coups d'éclat contre le grand Crawford Staric. Plutôt flamboyant. J'ai éliminé tes hommes les uns après les autres, ça ne te rend pas furieux? Bien au contraire. La surprise est le piment de la vie. Pour Monsieur Staric, c'est une autre histoire. Je me noie dans les consignes. C'est d'un ennui mortel. Et si nous unissions nos forces pour l'abattre? Ma foi, je ne sais pas trop. Mon ami, si notre association ne te permet pas de faire du mal à ce cher Staric, je t'autorise à envahir ce théâtre et à me tuer de tes petites mains. Qu'est-ce que tu y gagneras? La chance de m'amuser un peu avec l'homme le plus courageux de Londres. Marché conclu. Louis, ma voiture. On y va? Par ici. Tu te comptes quand même pas me laisser y aller seul? Prends les rênes, mon ami. Allez, c'est bien. Cocher, à Saint-Pancras. Et ne ménage pas tes chevaux. Je croyais que Staric et toi cherchiez la même chose. Que s'est-il passé? Oh, tu sais, il avait besoin de mes services pour former ses chefs de bande. Mais c'est un homme épouvantable. À qui le dis-tu? Notre liberté, Jacob. Nous la prendre est le plus grand des péchés. Ce n'est pas naturel. Cela nous prive de notre humanité. Tu n'as pas tort. Et Saint-Pancras allégera nos souffrances? Il doit partir de cette gare. Une grosse cargaison d'explosifs destinée à Staric & Co. Et tu veux la voler? Moi? Non, je veux la faire sauter. Oui, nous y sommes. Ce sera parfait. Ralenti. Bravo. Il y a un train à l'arrêt dans la gare de Saint-Pancras. J'ai bien l'intention de filer avec la cargaison de Staric et de semer le chaos au passage. Pourquoi pas, Jacob? Pourquoi pas? Un train roule vers nous en ce moment même. Certains, pour pénétrer dans la gare sans être vu. Tant que je ne l'aurais pas fait dérailler. Je te souhaiterais bien bonne chance, mais tu n'en as pas besoin. Je vais m'assurer que les renforts de Staric n'atteignent pas la gare.
Où sont-ils? Cassé ce soir. Ne renversez rien. On va enfin pouvoir en finir avec les jumeaux Fry. Remuez-vous, on n'a pas beaucoup de temps pour s'occuper de cette cargaison. Un jour, vous comprendrez que je fais ça pour votre bien, Blighters. Attrapez-le et faites-le sortir de là!
Ce serait dommage d'en rester là. Reste à trouver quelqu'un pour conduire ce tas de ferraille. Ça veut dire? Tais-toi, je t'en prie. Pas un mot, toi. Ce sera mieux pour tout le monde. Ah, qu'attends-tu de moi? Je veux juste que tu alimentes le foyer. D'accord, je vais t'aider. Ne me fais pas de mal. Considère-moi comme un simple passager, mais n'oublie pas que ma lame est pointée sur ton dos. Ah. L'amabilité d'envoyer un peu de vapeur. Starik sera bientôt à genoux. Chapeau bas, mon ami. Mes excuses, je dois t'abandonner. Passe me voir à l'occasion. Jacob. Il est magnifique, n'est-ce pas?
Je nous ai prévu une nouvelle sortie en grande pompe. Vraiment. On a du pain sur la planche. Écoute, trois des hommes de Starik vont bientôt disparaître. Oh, tu es une vraie crapule. Oh, et je t'accompagne cette fois. Il n'y a pas de raison que toute la gloire te revienne. Ne perdons pas de temps. Prenons ma voiture. Lewis! Jacob, Mathur nous attend. Tu sais ce qu'il faut faire. Prends les rênes. Les lâches aux ordres de Starik ont bâti leur propre prison. L'effroyable gâchis. Ils auraient mieux fait de former des bandes. Non, non. Pourquoi bâtir quand on peut errer librement? Je n'enfermerai jamais personne. Oh, personne, vraiment. Et ton oiseau, alors? Il ne bâtit rien, lui. Je ne me lasserai jamais de la National League. Pourquoi Starik s'intéresse-t-il à l'art? Il a engagé une femme de grand talent, Hattie Cadwallader, afin qu'elle lui achète des œuvres. Elle a un goût très sombre. On va l'enlever parce qu'elle achète pour le compte de Starik? Non, mon cher, non. On ne va pas l'enlever parce qu'elle aime l'art, mais parce qu'elle alimente les coffres de Starik en revendant des œuvres. L'art et l'argent ne doivent pas se mélanger. Attends-moi avec la voiture. Je vais lui rendre visite. Parfait. Mais... Amène la voiture ici pour charger la cargaison. Ce ne sera pas très long. Quelqu'un connaît sûrement Miss Cadwallader par ici. Je cherche Miss Cadwallader. Je l'ai pas vue, mais je sais ce qu'elle mijote. Et que mijote-t-elle? Elle vole de l'art, monsieur. Elle a fauché une statue pas loin d'ici. Cette statue est sûrement tout près d'ici. Petit, tu sais ce qui s'est passé ici? J'ai vu qu'il a piqué, monsieur. Miss Cadwallader? Elle se cache dans les égouts, monsieur. Les égouts, bien entendu. Un intrus! Arrêtez-le! Pourquoi ces saletés d'égouts? Dites à Monsieur Starik que la prochaine livraison est en chemin. Et dites-lui aussi que j'en ai assez de ces conditions de travail. Ah. Ouf.
Je vais la mettre derrière. Pourquoi l'Alhambra ? Tout bon criminel a besoin d'un endroit où placer le fruit de ses méfaits. Et pourquoi ne pas en profiter pour divertir un peu les gens au passage ? Allez, sois honnête. Ne me dis pas que tu n'es pas sensible au triomphe d'une pièce, aux applaudissements, aux louanges, aux critiques. J'aime tout ce qui me divertit, Jacob. Si l'une des productions... Ah, le parc. Lieu de prédilection du chef de la sécurité de Starik, Benjamin Raffles. Ceux qui le contrarient ont tendance à disparaître sans prévenir. Je sens que nous allons nous entendre. Fais attention. Ces gardes ne sont jamais très loin. Je cherche à faire tourner chèvre. Thank you.
se passe-t-il? C'est Ross qui vous envoie, ce bandit! Votre boussole est déréglée, Raffles. Le bandit est l'homme pour qui vous travaillez. Un homme a réussi à passer. Un intrus, là-bas. Va y laisser ta peau. J'en ai assez. Il est temps. Passez sur côté. Allez, cognez-le au visage. Finir en chair. Bien joué. Maintenant, partons. Ce Louis qui travaille pour toi. Un drôle d'animal, n'est-ce pas? Il est venu me voir il y a quelques années. Toujours si solennel. Mais toujours si poli. Et il a beaucoup d'autres talents. Qui dois-je trouver là-dedans? Cherchez de quoi vous faciliter la vie. Chester Swinburne. Policier le jour, informateur la nuit. Extrait-le de la meute, et Starik n'aura plus d'alliés dans les forces de police. Il doit être doué pour avoir mené cette imposture aussi longtemps. Pour être doué, il est doué, mon cher. Ces flicards me donnent la chair de poule. Bienvenue à Scotland Yard. Ah,
Cet homme ne m'inspire pas confiance. Allons, un peu de tenue, monsieur. Je suis mal parti. Bon, que faites-vous ici? That's just lovely. Allons, Swainbourne. Évitons d'attirer l'attention. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Excellent travail. Passe me voir à l'Alhambra. Je nous ai organisé d'autres distractions.